Bienvenue à tous sur Mayotte, la première en télé, radio et internet. Sayakuminambili, Yuichadakika Talatini. Gazette, vous m'avez dit, vous avez dit, vous avez dit. Malaba, bibi, mlamatrofo, salamu, julanyo. Tashaushi, zangina, tinalala, zavira, mwiso, mfumunu. Uvande wa inyataru, kalfurungwezi, suilini. Wa mtu wakavinga, galaha, ya kovira, vanu, angiliwa na ushashi. Watu wapara saba, wakamili, waja wa mtambisha, wa mfungu, wa mhuzi, wankamu, rongo, vanu. Wae mazastaki, jandarmeri. Watu ikamba wakurubi ya indadi ya 300 na mneo wandu wa indrawo isuku ya meso 60 wala harma ambavu ya ngina ya siti za faransa za bonze inde miona no ya raru ituwa onzia ni hauzo dhukuru hifadhi ya uwanata lagoni imumuju urso dhukuru tongo nordezi ni harma ziabari zatu za subu ivanu moja na mdereman Said wa mwena no ya ngina tinalaya katarishwa mwiso wafumono vandu wa kibulani nede hakuwa baina wanu wa hiruwa porteur de projet na wanu ikamba de uwa vinga au zimali sojo wazurumishie na sinilimu ini ndi hali zina la mfumo walishwa harma albara la Europa ya udhukuru wankiba na mkingiano harma nshisiwe ya shimori hawandisa arabu zinatashaw shizini zabira karifurungwezi mwiso wa mfumonu karifurungwezi uvande wa swili ni shironge tungozini zibiri mwiso wa mfumonu pa mtu ikamba waye ajulihana pa washisada vingi gala ya kovira vano angiliwa na watu ushashi wapara saba wakamili mtuno wa mbahazazi akalungana namnya iharuma algari kafardhi wapara vano azimona pavi desayu sayu kamu angiliwa na watu wano azalunga na revolution umonyo diarili zauzo Lamtamgu vertuaziri, tamgu la vertuaziru kabili karifurungozi, tizia haruma bare la hiya babu, sena mraba, na monda mraba bare li na jebarikuwa, na mnya wandisamba unasiga babu, tumandamba wa mtisi nvurusiga. Basi nde telefoni ni hire, tumandamba mtisina telefoni. Wandebarke, wararu wa debarke lgari, na mabreti, na raskubu. Warumugu wa wabu, warivingi, warige dantenishu, wana hori. Fika na mnyangu moja wabu, nakabu mfumushie mfumu. Kumaya tula ngoza ya mba, salifana hekabu de la rengwa, raremu haizingwe, rabugu la maupanga, warenge zimarki, marke na kanazo, na nashandizi, warenge na estupia, wanre. Sila warviri, mafuno, tarsku, ami, shurongi, wura kuzopara, mkarazi me telefoni, rihire, na guni, rihire na jandarmiri, ta, randandiru wanda wana, aksiyo, halino kupia zaidi. Abonyangu jana rabane rizigi za tukarishu wabano gerdoli wani dewa ritia ina swafi manaka vingi barto, rashkubu, banga, wakazinga wani. Suwa kubwa na maupanga ya etena. Mwende la ptali? Raka na ptali mana yana mba kurumandaja tregidana tuti handa wabu ti na watu na mzigi za tuna igari mana wa mapapi yangu pia ya mwono ngari. Vanuka murungwa vanu banali abdalawa ya manjaz taki isa karihira njaza telefone ya subi vanu gala hilini rahalu kalipala na kwa kila amutaji in partener atozo wa ikemba waye amuhire ta ikemba ajwe nekali one hana vahali ini mionano ya raru ditarisho harumu esiwa ya shimori ya ujodhukuru hifadhi ya uwananza itarisho de isuku ya mfumone ya meso ala harumu wabande wa mumuju watu ikamba de wajeni wa indua vanu watelonga wafungu wapara indadi ya 300 wakamili mengono mao sitini wala harma mabavu yangina ya siza shifaransa za mwonze iba vanu wanatawanu wawa ngavi maorohunu wangavi duwa parao misada ya shisirikali tawahifadhwe hisabu usikuwa mbazini senda na ulaguza na watu wa sudisa masuala hawengi na nalvulshezo za tayarishua na andri la kutundavula na mdelemani Said hisabu za huisa zijilhanao maore za husu wanata wandaomboya deza wana David Guyo mtaalamu wa maisha ya kila suku sociologue azitoa mwa 2012 madena maha sita. Hazi za huisa za nyumba ya sirkali irongolo observatoire de mineurs isolés za lawa mwahaunu zisi irongwa amba hisabu za wanata kawana wajema za maore kazisihe ya wala kazisi shuka wa mkabala wa 400 be 300 de waparhanao amba kawana mtumbole itsuka uyotzi karibu nao. 300 wani watoshinda warengewe dhoma na isirkali ya maore hawaveleha haramwazi ngujama zifanyao hazi na ikonsei departementali. Watu watanabahi tena ambavwa wanahirimu kawabaliri wazunguho tena inirungulo demanda dazil watalia kondro tizao hususwani wala wabara lambrima kutuza harihari ya vingali zina la Grand Lac. Wani urengewa dhomana be wengine mwao mkabala watusu ni harmamia uparama kartasi wandre Faransa.
mwa 2017 nyumba bole ishahili hao na wanahirimu na zingu jama isaidi wa milioni 180 za euro ile ihifadhi wanahirimu maorevani ivo ilio amba thamana zila wa daula zija sirkali ya maore conseil departementali hazinyengi lizabuziwa maendeleo vubula mpango mvia watumia wa 20 na wararu warengwa mahazini washahidi hao na zingu jama ma assistant familio 20 na wararu ma socio educatif vumoja na 10 wangina wasaidiao malagoni sharia zikawa mbazini dezahusu muhifadhiu yao watu kamba wanu wanata kawapala maha 18 zo zababu wala maestuwa shimore kisha zo urumishia bezini mbano eba zo urumishia jeje zo ukana ulekiana na martaba yao wa maore mfano vali kamba nyengi harma i departema baka zo ufanisiwa zlingansiwa vali kamba wanata wengi alisi duandoa pamba mabare nbabu usuprefe wa kozion social Dominique Fossa harma emikuru ya Andri Rakuto Ndavola harma etafasuri Abdelman Saida. La loi sur la protection de la Sharia ihifadhiwa wanahirimu itekelezewa tena idungamanisiwa na ya maendeleo muhimu de uhifadhi wanahirimu mikabala pia unono msomo utahadharisha tabia za peu amana dhamana za wajemaza zi muhimu amana dhamana za mahakimu na zi swana za lazimu zitulenziani maore sawa na wangina beki la bavu lina mahususu zalo mfano wa indadi ya wanahirimu munina wakazi pia ama naziswana za nyumeni mfano za tulwanziani ama na imisa da mbalambali mauride ya daula ama na ya conseil departementali. Daula ilio amba isaidia imaore milioni 180 za euro hausaidia ifodomana za husu wanahirimu za lawa daula za wasili conseil departementali rangu muhashana. Nisfikiri amba muhimu leutianziani zizaria bila ufikiri helizito rumishi hao. Be haliangina na li suala la mrumili mahususu wa zizaria ne lazimu li ziswe. Muhimu watu wafanyihima atatongo zirengele zewe njema njema. Unu mwezi wa Novembro walishiwa watu wa dhukuru ya nkiba na mkingiano babo wa atelizi kama leza kaza tuanziani mwiso wa mfumunu. Uvande wa hakwa kibulani baina maporto de proje na waikomba de watu wa kingia wa haruma uvande wazimali za lazimu uzulumishie. Zini pia zihusu ulanga wengine mwazo za tuanziani uvande wa kibulani linazishadidisha vumuja na ikresi. Na kwa kila muta jakabanu awakiluwa na lishirika laha zila sinafusia lai. Akana daka 15 tu ya wayotekeleza zozo kamba liyazifanyao ataikemba ajapare ya somedzewe na waja uzimarkeza lazimu zimbe msada ataikemba shirika laha zila lifuzu. Jamila Swadiki. On a une association. On apporte de la technique chez des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Tumbu Twalibu, le doamana wa régie territoriale Maisha Espoir ya Hakwa harma dakika 15 waye atekeleza mpango za haza wafanyao mbedi za wantu wakahudhuria bani basi eba wakatunu utosho. Sifikire mba neka rakozoene sa siturifanyao. Dakika 15 yo utosha mana karakozongi ya swafi muna isi tu modeli liyo swafi. Imnofia ebe ri sensibize watu tombabanu wasi ma strukturi ya ekonomi sosiale solidari. Uvande wa raisi wa magardien di litorali dakika 15 yo shashi waika para rungwa pia tungo zahe akotaha tekeleze. Uvande ya wanu ajawa kwa vulikia tungo zo skanduzuri ya bi Ismaeli ashaidi hao na mipango ya husu ulanga harma jumba la deali asurungwa mba wakati mshashi unu ruhusu wantu wande harma mnufu wa strongo. Wabodu wantu renga zinambari za telefoni idepare wantu wa jangie wana harma mahadisi angina. Na indi madhumuni ya mwona noini ufanya namna ata wantupara ungidiana uvande wa bwana Tumbu Twalibu yoruhusu wana wantu wengi harma muda mshashi. Zuri bora parana na watu wengi. Donku yo hatu yo muhimu mana harma lerambilitaru wasupara watu wengi
Ueleza tungo zatu, waribingia na fikira zao modeli watosinda wareleza. Madza, warengezi nambari za telefoni, ibaki dojo vana randevu, ilepari wajotadie hauzuri mipango yao. Rugby ya kenzi ya halumu ya shisiwa ya shumawali malangazi ya sporo mazatu wa sujwa ukungi kanuni ya maalfu mbili na kumi na nane, itapara maalfu mbili na kumi na shenda halumu wa malangazi ono dioneli ya anta andesperados ya mchapele na rugby club du sector sud, halumu ya shisiwa ya shumawali, jana bweni halumu hawa ikamba yu ikaen zero, antante ya bweni mchapele yu ilawa na ushinzi kinyume na RCM rugby club ya mumuzu, halumu ya mavuna tunda kumi na shenda kinyume na kumi na mbili. Uraisi wai klubwini wai ajibuwa kiasi ya utosha bwana Mohamed bwana halumu ya mikuru ya faidi swahili. Rishidiwa rifurai sofleo mana ini projatu raifanya mazena mahamili mwajana tunkasa kiri bimwa hunu rolozu mkwa watu kula posti mbaka yakana ya kukloshe kloshe riti yangu futa mahunu alhamdulillah rabbil alamin rekan le mewa mbakula watu mahoto parodi wao mahunu rongo mba ah carvenze donc ri mettre le paquet mahunu para renge bouclier yo donc le watu kasla da paka spui. Zahusu sporo uzabira mwiso wafumun pia msuzipara moja hamoja mkabala wa sayahanda na mnenda dakika hamsini moja na faiti swahili maraba. Maraba mwana saindur supara na sayahanda alera ito kamili haurungil gazete alwayash faranza. La revue de presse locale. Et une nouvelle semaine de la revue de presse avec vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Alors, Flash Info qui nous arrive à l'instant, à la seconde, je le découvre en même temps que vous. Flash Info qui titre sur les violences faites aux femmes, la journée internationale. Se déroule tous les 25 novembre et donc Flash Info titre là-dessus. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de découvrir les articles avant. Donc, dommage, tant pis, c'est un peu trop tard d'envoyer le journal. Nous l'aurons demain. À l'heure même de la revue de presse. Alors sinon, pour le reste. Et nous continuons. Plutôt, nous commençons à invoquer le nouvel accord entre la France Comores en débat. C'était samedi à l'invitation du député Mansour Kamardine. Oui, Mansour Kamardine face au public. Mayotte Comores, France toujours aussi passionnelle. C'est le titre de une des nouvelles de Mayotte ce matin. Mansour Kamardine s'est adonné pour la deuxième fois, nous dit le journal, depuis le début de son mandat, à une rencontre avec la population. Alors que la relation avec les Comores est de plus en plus, et plus que tendue dans l'île, la population est de plus en plus méfiante quant à l'action des élus. Et le journal nous dit d'ailleurs qu'il y avait des banderoles conçues par les membres du collectif des citoyens de Mayotte qui étaient accrochées sur la façade du conseil départemental. Le collectif demande aux élus de ne pas prendre de décision sans consulter les Mahorais. Alors, quelle décision ? Il s'agit du document cadre qui doit prochainement être signé entre le Quai d'Orsay et la diplomatie comorienne. Prochainement, c'est-à-dire vraiment très bientôt, puisqu'on a annoncé ça d'ici la fin du mois de novembre. Et la fin du mois de novembre, c'est à la fin de la semaine. Alors, qu'y aura-t-il dans ce document ? On ne sait pas, mais les élus mahorais seront consultés, dit-on. Dans l'hémicycle du conseil départemental, de nombreux militants LR s'étaient mobilisés pour soutenir le président de leur parti. Il y avait aussi les militants du collectif des citoyens de Mayotte. Eux estiment que les élus mahorais ne devraient pas participer à ces discussions. Pour le moment, le plus important, disent-ils, c'est la sécurisation de nos frontières. Ensuite, on parlera de coopération régionale et d'accords bilatéraux. Pour d'autres, il faut faire attention à chaque détail du texte. Par exemple, la circulation des personnes entre les îles, ça, ce petit bout de phrase provoque beaucoup de débats et elle fait frissonner, cette phrase, certaines personnes qui demandent des explications aux députés. Alors, les passions sont encore plus vives, nous dit les nouvelles ce matin, plus vives qu'au temps des sorodas et des serrer la main. Alors, d'autres personnes s'inquiètent de la venue des demandeurs d'asile, de plus en plus nombreux. Mansour Kamardine explique que la France, terre d'asile, selon l'expression consacrée, ne peut pas refouler ces personnes qui demandent des secours. Une réponse qui ne plaît visiblement pas, écrit les nouvelles, à des personnes qui ne comprennent pas que la carte de séjour délivrée à Mayotte ne permette pas à son détenteur de circuler sur tout le territoire national. On y reviendra sur ces questions avec l'invité Zakweli tout à l'heure, 7h15, sera Mansour Kamardine. Et encore une démolition de banga illégale à Chirungi. Oui, c'est à Chirungi, à la demande de la maire de la commune et du propriétaire du terrain. Le propriétaire du terrain, en l'occurrence, c'est le conseil départemental. Eh bien, le préfet a donné le concours de la force publique pour permettre la sécurisation d'une opération de démolition
de Banga. Alors, l'État poursuivra son action dans toute l'île dans le cadre de la lutte contre l'habitat illégal. Un début de construction de Banga donc, a été stoppé ce week-end dans le village de Mramadoudou sur une parcelle appartenant au conseil départemental. Le responsable de la police municipale, le coordinateur sécurité et tranquillité publique et 5 agents de la police municipale plus 6 agents des services techniques et 6 gendarmes ont conduit cette opération en délai de, dans le cadre de ce que l'on appelle le délai de flagrance. Et à la une du journal de Mayotte, nous parlons des mineurs isolés. Oui, mineurs en danger, sans famille sur le territoire. C'est un des thèmes clés des 3e rencontres territoriales de protection de l'enfance qui ont lieu cette semaine. On en reparlera d'ailleurs dans le journal à 7h. Combien y a-t-il de mineurs sans adultes référents à Mayotte? Leur prise en charge est-elle adaptée au territoire? Comment initier le rapprochement familial? Ce sont les questions qui sont posées par le journal de Mayotte aujourd'hui. On attend beaucoup, nous dit Anne Perzeau-Lafont, de ces 3e rencontres territoriales de la protection de l'enfance qui réunissent les acteurs territoriaux, régionaux et nationaux. Alors le sociologue David Guyot avait dénombré à 3000 le nombre des mineurs isolés en 2012, un chiffre revu à la hausse en 2017 qui portait à 4000 les mineurs avec des différences de gradation dans leur isolement. La plupart déclarent un adulte apparenté, mais il y en a 300 qui sont vraiment isolés et donc automatiquement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Alors dans les nouvelles, on nous précise que ces mineurs sont souvent originaires des grands lacs d'Afrique et ils demandent l'asile politique et partent souvent d'ailleurs pour la France métropolitaine. Il existe un véritable réseau de trafic d'êtres humains. Jusque-là, c'était limité, concède Dominique Fossa, le sous-préfet, qui apprend qu'un travail est fait actuellement pour mettre à jour ces filières. Alors, autre problématique, c'est la prise en charge qui se met peu à peu en place au département. Il faut endiguer le phénomène et faire en sorte que lorsqu'ils sont expulsés, les parents ne laissent pas d'enfants sur le territoire. Un dispositif est mis en place pour que de nouveaux cas ne se reproduisent pas. C'est avec l'intervention de Mlesi Mahoré et Solidarité Mayotte qui s'entretiennent avec les parents lors des reconduites. Et à l'occasion du mois sans tabac, on parle des jeunes qui se mettent à fumer pour la première fois. Et oui, café débat sur la consommation de tabac et de drogue chez les jeunes à Mayotte. C'était organisé par l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte. Alors beaucoup de jeunes consomment du tabac ainsi que des drogues, certainement par manque de sensibilisation. Il est question ici des jeunes qui commencent à fumer à l'âge de 13 ans. Alors c'est un accès facilité par l'arrivée des cigarettes bas de gamme qu'on appelle les Seulacantes, qui viennent des Comores, qui coûtent 2 euros le paquet. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les prix affichés actuellement dans le commerce. Les parents qui demandent à des jeunes de moins de 18 ans d'aller leur acheter des cigarettes. Alors évidemment, ces jeunes se mettent à fumer. Alors des jeunes qui fument, nous expliquons, pour impressionner les filles et faire le beau. Il semble important de créer des messages propres avec des témoignages de la population de Mayotte sur les conséquences de cette consommation de tabac. Et le vice-rectorat ouvre un marché aux petites entreprises. Oui, le vice-rectorat réserve 2 à 4 millions d'euros de travaux d'entretien aux petites entreprises. Les futurs besoins en maintenance et des travaux et d'entretien des établissements scolaires. Alors il y aura des lots selon les régions de Mayotte. Les petits entrepreneurs ont été contactés, nous dit le journal de Mayotte, par mail et SMS pour suivre une session d'une heure d'explication archi détaillée à la Chambre de commerce. Alors, ce qu'on explique du côté du rectorat, c'est qu'on ne retient pas forcément le moins 10 ans. C'est-à-dire ce qu'on appelle, en fait, pour dire les choses simplement, le moins cher. Ce qui compte, c'est la qualité, la durabilité. Par exemple, la durée de garantie sur un ventilateur et l'indice de solidité. Les prix au ras des pâquerettes seront considérés comme suspects. Si on ne peut pas justifier d'un prix anormalement bas, l'entreprise sera éliminée. Et donc, ce marché aux petits entrepreneurs sera lancé entre mi et fin janvier 2019. Et les entrepreneurs auront 2 mois pour y répondre. Et enfin, l'adressage avance. 2 rues ont été baptisées à Tsunzu. Oui, Tsunzu, où l'adressage est en bonne voie. Alors, on nous montre en photo ces 2 rues dans le journal de Mayotte. Il y a la rue Amana et la rue Ouseni Bako. Ces 2 rues sont nommées d'après des notables de l'histoire du quartier. Alors, la qualité de l'adressage est une nécessité pour le développement du territoire. C'est ce que déclare dans cet article du journal de Mayotte Mohamed Majani, le maire de Mamoudzou. D'ici 2 ans,
la ville espère avoir finalisé les noms des rues, la numérotation de tous les bâtiments. L'adjoint au maire de Mamoudzou, Toualibou Saïd Ali, dit qu'il reçoit par exemple chaque jour une dizaine de courriers pour des gens qu'il ne connaît même pas. Et puis plus grave, il y a des allocations qui ne sont pas versées, faute d'adresse valide. La commune s'est dotée, explique le journal, d'un logiciel de cartographie qui permet notamment aux pompiers, lorsqu'ils reçoivent un appel, non seulement de savoir où aller, mais de visualiser exactement la rue et d'adapter aussi le matériel aux conditions de circulation, exactement. Parce que tous les camions ne passent pas partout. Alors c'est aussi une nécessité d'ordre fiscal. Faute d'adressage, on n'arrivait pas à identifier les habitants et beaucoup échappaient à l'impôt. Cette vaste campagne devrait multiplier par 3 ou 4 le nombre de foyers répertoriés et générer des recettes non négligeables en termes d'impôts locaux. Après la pose des plaques, nous dit le journal de Mayotte, l'heure sera à la communication, car avoir une adresse en bonne et due forme ne suffit pas. Il faut effectuer le changement d'adresse auprès de l'électricité, l'eau, la poste. Et les habitants de Vaïbé, par exemple, ont jusqu'à la fin de l'année pour s'y plier. Et les autres habitants de Mamoudzou seront informés des délais propres à chaque localité d'ici la fin de l'année 2019. Et c'est ainsi qu'on clôture cette revue de presse. La prochaine, ça sera à partir de 7h, juste après le journal, donc en français, de Moana Saindou. Voici le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Bembeni na Tararano. Wati ya passage pieton. Kweli, bezi passage pieton zizo, zisi yengeza aksida 100%. Mana, wazifanya harima viraji. Tafadwali, uwaturu wao, ekipma, unyoli pare. Yonfanye passage pieton harima viraji. Zizo aksida 100%. Wami, nsuzi ya babu. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24h sur 24, chose, sur notre répondeur et laissez votre message. Et vous pouvez bien sûr aborder soit ce sujet ou un autre sujet, celui que vous avez envie d'aborder ce matin au 60 01 01. Nous sommes là donc pour partager ces quelques minutes avec vous, le journal des auditeurs, un coup de gueule que vous venez d'entendre. Mais vous pouvez également partager le vôtre. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu un petit peu plus d'embouteillage que prévu, surtout en fait des deux côtés à Tchévani, aussi bien à l'entrée de Tchévani que du côté de Hirouni. C'était très très tôt ce matin, beaucoup trop tôt d'ailleurs. Bonjour. Oui, bonjour Yumna, bonjour à M. Bruno. Bonjour. Moi, quand j'ai écouté les infos et puis j'ai écouté juste votre revue de presse, j'ai entendu pas mal de choses, mais là, je change de cap, je me filme en langue locale, autrement dit chimaoré, car je suis à côté des mamans qui ne maîtrisent pas du tout la langue française. Yumna. Nam. Vahadisi, naïti avavu, yurongo lavavu, yahusu ma ilu atra chimaoré. Deivi Mwanzeni. Ah, ambao watu hujisua suala babu wadu watu vote yo. Basi wami tasura mama ilu watu wa mojo vote babu, watu vote. Nime mana watu wa kasina tasikira na ima uringi. Indika wa konsulte, i kolektifu ya masendika wale. Istu ya hatuari. Mana ma ilu watu maja wa uji ima uringi, wafara zimarikote ya posho na baki wanuwa ikuopeshe. Basi ba, ah, na mchiru rongowe. Nye kama darak, kaya kupa pia na wahati moja na makolektifu bende kaya kolektifu kaya sababu ya maureni suudiwa wasu ujua watu wa kushaipena ya maureni madaka abu wafu wa komo mbabu nikati lewa uzuri buda watu venza mba kila chungo satua tujolungu kalite urengwa unmaure maeliyo parani rabuzi na kolektifu kamba kolektifu de wakazi wa maure wahati na kolektifu ok rele wabasi. Marhaba, asante marhaba. Sana. Mbabu utawo nkutuwe. Aha, tu mbari ele wapare mnyao tena para hadisi. Voilà, à Saint-Hertz, au Angina. Et cet auditeur qui demande tout simplement, qui revient par rapport au journal, à la revue de presse. Donc le premier sujet, entre autres, je crois qu'il parlait de l'accord entre France Comores en débat. Et il demande aux élus de parler d'abord avec le collectif avant de prendre une décision. Bah, c'est ce qui a été dit d'ailleurs lors de cette rencontre de samedi en présence de représentants du collectif qui était avec Mansour Kamardine aussi au conseil départemental, et je pense que le député aura l'occasion de s'exprimer là-dessus puisqu'il sera dans Akweli tout à l'heure à 7h15. Un autre auditeur en direct sur la première, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Jumnam. Bonjour. Je suis un peu de temps. 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 Yani ishtabati bande wasu wezende rambabo ne kaka maijwa doku wa maore za nunga uzanyi. Ah, Artoparana Bastina Lira Yangina et tout de suite une autre réaction sur Facebook. En réponse à notre auditeur précédent, il vous l'a dit, il faut arrêter parce que nous n'avons pas voté le collectif. En tout cas, c'est des réactions que vous pouvez lire hein, sur la page Facebook. Voilà, ce sont donc, c'était la réaction en réponse à Bouddha. Il faut arrêter de mentir, nous n'avons pas voté le collectif. Et vous pouvez donc d'ailleurs le lire de suite sur la page Facebook de la première. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Allô. Oui. Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais réagir surtout par rapport. Faut parler un petit peu plus fort, monsieur. Oui, je voulais réagir surtout. Vous m'entendez là ? Mm-hmm. Surtout en fait par rapport aux histoires des fumettes là, les jeunes qui fument là. Des fumettes. Déjà, vous avez évoqué un sujet là qui est très important à souligner, que c'est les grands là qui commissionne les petits pour acheter des cigarettes. Donc forcément, ça ne va pas changer à Mayotte. Parce que comment ça se fait qu'une grande personne commissionne un petit enfant à aller acheter des cigarettes? Donc ça, là, il faut vraiment que les choses s'arrêtent. Parce qu'à force de continuer comme ça, c'est ça qui fait que les jeunes, ils fument. Hein. Donc en même temps, j'ai remarqué aussi qu'à Mayotte, on aime bien en fait, tout ce qui est illégal en fait. Non, faut donc, pas dire ça. On aime beau revendiquer des choses et quand les choses ils arrivent, et on est les premiers à fuir les revendications. Donc il faudrait aussi que les Maorais arrêtent de se montrer entre eux et à chaque fois revendiquer des choses et qu'ils ne respectent pas. Comment ça se fait qu'on consomme des choses illégales? C'est comme les taxis bawa. On a les taxis normales, ben on laisse les taxis normales, on va prendre les taxis bawa. Et quand il y a des problèmes, on va encore crier qu'il y a des problèmes. Donc je voulais juste souligner ça. Donc que les gens arrêtent de nous mentir maintenant. Parce que les trafics, c'est nous-mêmes qui font ce trafic et c'est nous-mêmes qui nous met en danger. Voilà. Le message est passé. Merci d'avoir choisi. D'autant que les commerçants, enfin, ce n'est pas seulement les parents qui sont en cause d'envoyer leurs enfants acheter des cigarettes, mais les commerçants n'ont pas le droit de vendre des cigarettes aux mineurs. Hein. C'est formellement interdit. Un autre auditeur pour clôturer ce débat ou ces débats, parce que du coup, il y en a plusieurs. Vous êtes en direct, bonjour. Oui, bonjour Mayotte, bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Monsieur Saïd, là je voulais rebondir concernant l'accord Mayotte-Comore. Des gens qui demandent qu'on consulte les collectifs. Moi je vois que le collectif ne représente pas Mayotte, parce que le collectif, personne n'a voté pour le collectif. Ce sont les élus, les représentants de Mayotte. Si le collectif veut être consulté, il devait se mettre dans le vote, que tout le monde le vote comme représentant de Mayotte. Monsieur, vous êtes... Moi, je suis désolé de dire qu'il faut consulter le collectif. Le collectif ne représente personne. Au revoir. Donc, ce sont quand même des Maorais qui sont dans ce collectif, donc je pense que ça peut être difficile de voter pour soi. Mais en tout cas, le message a été passé. Merci, effectivement. C'est vrai que c'est deux points de vue différents, comme celui que nous pouvons lire d'ailleurs sur la page Facebook. Je suis d'accord avec ce monsieur. Il faut consulter la population. Et effectivement, c'est nous qui avons voté ces élus, donc il faut nous consulter avant. Et il faudrait peut-être que le collectif s'organise pour présenter des candidats aux prochaines élections. Pourquoi pas ? L'avenir nous le dira. Et puis, Marie Hassan qui demande donc pourquoi est-ce que Mayotte ne suit pas le mouvement des Gilets jaunes ? Alors, cette question qui revient depuis maintenant la semaine dernière, depuis une semaine maintenant. Et puis, beaucoup de réactions aussi, beaucoup de points de vue là-dessus. Voilà. On a eu quelques réponses, mais si vous voulez d'ailleurs débattre ou réagir, n'hésitez surtout pas, vous avez la possibilité de le faire sur la page Facebook de la première. Et puis on parle aussi des passages piétons. Beaucoup de coups de gueule ce matin, on va dire que c'est le lundi matin, c'est normal. Passage piéton, effectivement, c'est du n'importe quoi, accident et accidentogène, voilà.
Et on revient en fait sur le journal des auditeurs où on nous disait qu'il y avait un passage piéton dans un endroit qu'il ne fallait pas, en fait, juste à l'entrée ou à la sortie d'un virage et que c'était donc beaucoup trop dangereux. Bah, si c'est à l'entrée d'un virage, c'est pas un problème, c'est surtout à la sortie du virage dans l'autre sens que c'est dangereux. Dans les deux cas, ça dépend d'où on vient. Et puis un auditeur qui dit bah, tout ça pour vous dire que moi aussi j'en ai marre, mais j'en ai marre des embouteillages, même si c'est agréable de vous écouter râler. Bon, bah, c'est sympa, on va arrêter de râler. Cher auditeur ou chère auditrice, et d'ailleurs, c'est l'heure de retrouver le journal. Il est 7h. Et nous commençons d'abord par les titres avec vous, Bruno Minas. Oui, un véritable guet-apens ce week-end près du carrefour Mgwezi dans le sud. Un groupe d'individus armés de machettes s'en est pris à un automobiliste. Il s'en est sorti, mais les voleurs sont repartis avec la voiture. Ça faisait longtemps qu'on n'entendait plus parler des coupeurs de route. Témoignage dans un instant. 4000 mineurs isolés à Mayotte, dont 300 complètement isolés, sans aucune attache familiale dans l'île. Pour la plupart des Africains arrivés comme demandeurs d'asile, on en parlera cette semaine aux rencontres de la protection de l'enfance qui se tiennent dans l'île à partir de demain. L'actualité régionale, dans 10 minutes, la Réunion repartit pour une nouvelle journée de blocage par les Gilets jaunes. La ministre des Outre-mer est attendue mercredi dans l'île, mais elle annonce déjà une baisse du prix des carburants. Zach Ouelli à 7h15, Mansour Kamardine. Samedi, le député a organisé une rencontre directe avec la population pour débattre du futur accord avec les Comores. 7h40, ce sera aussi le thème de l'édito d'Ismaël, un document cadre France-Comores attendu d'ici la fin de la semaine. Et puis le journal des sports à 7h50 avec Faïd Swahili, un programme qui bouge beaucoup ce matin. Handball, foot, volley, rugby, judo. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Avec tout d'abord cette nouvelle agression au carrefour Mgwezi dans le sud. Cela s'est passé cette fin de semaine. Un homme originaire de Sada a été pris à partie par un groupe de 7 individus. L'homme, un commerçant en voiture avec un passager, a dû s'arrêter un instant non loin du carrefour Mgwezi. Et c'est à ce moment-là que les malfrats ont surgi des bois. À la suite, nous est raconté par l'ami d'Ali Abdallah, la victime. Pour aller vendre ce truc à Mtamozou. Et au retour, on s'est arrêté pour aller aux toilettes. C'est là qu'on l'a attaqué. Entre la carrière et Carrefour Mgwezi, ils n'étaient pas Kaboul, ils avaient bien seulement des coupes-coupes. Ils l'ont frappé avec leurs morceaux de bois. Oui, ils l'ont frappé parce que c'est son corps. Après, ils l'ont cagoulé. Ils l'ont attaché avec la fille et la femme qu'il était avec, et l'ont laissé dans la forêt, ils sont partis avec. Lui, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tous ses moyens pour se... Après, il s'est défait, et il est parti jusqu'à Chirongi pour avoir quelqu'un pour lui donner le téléphone. Il a téléphoné à la gendarmerie et sa famille. Et il n'a pas de nouvelles de la voiture? Non, là, on est vers l'est, là, en train de regarder, mais on n'a rien trouvé. Et les troisièmes rencontres sur la protection de l'enfance se tiennent demain mardi à Mayotte. Avec pas moins de 300 invités attendus, dont une soixantaine en provenance d'autres régions ultramarines, combien sont-ils ces enfants mineurs et isolés? Combien bénéficient-ils des mesures d'aide spécifiques à l'enfance? Le nombre des mineurs qui nécessitent la protection des institutions interroge dans l'île. Voici un état des lieux dressé par André Lacoutoulavola. Les chiffres les plus récents des mineurs isolés restent dans l'ordre de ceux révélés par le sociologue David Guyot en 2012. Dominique Fossa, sous-préfet en charge de la cohésion sociale. L'Observatoire des mineurs isolés, le dernier rapport qui date de 2018, faisait état d'un chiffre stable à Mayotte de mineurs sans leurs parents. Une estimation qui a été faite, 4000 jeunes, mais seulement 300 sans aucun référent adulte. Seulement 300 jeunes sans aucun référent adulte. Bon, ce qui est un chiffre important, mais un chiffre stable. Et 300 jeunes sans référent adulte, ça rentre dans les possibilités, en tout cas théoriques, de traitement par la structure qui existe aujourd'hui, de famille d'accueil, de traitement au niveau des services du département. Mais on constate également l'existence de mineurs demandeurs d'asile. Il y a déjà quelques années qu'il y a un phénomène de demande d'asile en provenance de pays d'Afrique, des Grands Lacs, la plupart du temps. Dans ces personnes qui arrivent à Mayotte pour demander asile, il y a effectivement un certain nombre de mineurs qui sont pris en charge, normalement, à la fois au titre de la demande d'asile et au titre de la protection de l'enfance. Le phénomène reste pour l'instant relativement limité. Le phénomène reste limité et 90% de ces demandes
sont traités favorablement. Ces jeunes regagnent par la suite la métropole. Passe d'abord par la direction générale adjointe Enfance et Famille, qui a obtenu en 2017 180 millions d'euros accordés au titre de la protection de l'enfance sur la compensation des transferts de compétences. Depuis, une réorganisation des services a été opérée et une feuille de route élaborée. 123 assistants familiaux ainsi que 23 assistants socio-éducatifs et 10 aides à domicile ont été recrutés. Et des lois pour la protection des mineurs existent et s'appliquent à Mayotte, mais comment s'appliquent-elles ? Nécessitent-elles des adaptations à cause notamment des spécificités du département où l'on rencontre le plus d'enfants isolés ? Le sous-préfet à la cohésion sociale, Dominique Fossa, au micro d'Andri Rakoutoulavola. La loi sur la protection de l'enfance, elle fixe un cadre général parfaitement adapté. L'enjeu, c'est simplement de protéger l'enfance sur tous les aspects de la protection. Ça va de la santé à l'éducation, la prévention de la délinquance, la parentalité également. Les enjeux, le rôle du juge, les différents outils qui doivent être mis à disposition, ces enjeux-là, ils existent ici comme ailleurs. Alors c'est le contexte qui est différent sur le nombre, sur la part de la jeunesse dans la population. Le contexte aussi sur un service qui s'est mis en place depuis peu de temps, qui est un service nouveau, avec des financements qui eux-mêmes ont été obtenus. Je pense notamment au financement par l'État, au conseil départemental, sur des niveaux très importants. Je rappelle 180 millions d'euros qui ont été accordés au titre de la protection de l'enfance. Je pense que l'enjeu, c'est de mettre en œuvre les dispositions de la loi, plus que de se poser la question de son adaptation. C'est peut-être un des enjeux de ces rencontres sur la protection de l'enfance, faire émerger différents points où les choses pourraient être améliorées. Et dans le cadre du mois de l'ESS, l'économie solidaire et sociale, des ateliers ESS Presso, de rencontres entre des porteurs de projets environnementaux et accompagnateurs financiers et techniques ont été organisées à Kwa, dans le Nord, par la CRES. Chacune des entreprises représentées avait une quinzaine de minutes, pas plus, pour présenter son activité et convaincre les accompagnateurs. C'est un reportage de Jamila Sodiki. On a une association, on apporte de la technique chez des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc on les forme, c'est vraiment ça notre approche. De la réinsertion. Toumbou Toalibou est directeur de la régie territoriale Maïcha Espoir de Akwa. Pendant 15 minutes, il présente les activités de la régie aux différentes institutions. Alors, est-ce suffisant? Même en 5 minutes, c'est possible. Parce qu'on est là vraiment juste pour présenter le concept de ce qu'on fait. Certainement, s'il faut rentrer dans les détails, c'est pas suffisant. Pour le président des gardiens du littoral, un quart d'heure, c'est court. Antonio Trepiccio. 15 minutes, ça passe vite pour nous et on veut tout apprendre, donc c'est compliqué. Donc un peu plus, ça arrangerait tout le monde. Pour les structures accompagnatrices, l'exercice est intéressant. Yabi Ismaël, chef unité appui aux projets environnementaux à la DEAL. Ce format permet effectivement d'aller à l'essentiel. Du coup, on voit vite effectivement l'idée de base du projet, les difficultés, les besoins, et ça permet effectivement de centrer la discussion plutôt qu'effectivement qu'on se voit un peu plus longuement et qu'on discute plus précisément ensuite des projets. Et c'est l'objectif de ce Espresso, Irina Arvanitopoulou, chargée de mission à la CRES. Faire des petites tables rondes rapides où tous les acteurs se connaissent, ils créent les réseaux, ils échangent des informations et des interrogations. Un gain d'un temps appréciable pour Toumbou Toalibou, directeur de la RTME. C'est des partenaires auxquels on n'a pas forcément le temps d'aller trouver tout le monde, mais dans un espace groupé comme ça. Si on les a tous, qu'on leur présente, c'est un gain de temps pour nous. En 2 heures, on a 5-6 institutions. Les contacts sont pris. Des rendez-vous pour étudier plus en profondeur. Les projets peuvent être fixés. Et en attendant le résumé du week-end sportif, vers 8h, tout à l'heure avec Faïd Souhaili, nous parlons de rugby à 15 à Mayotte. Et l'on connaît désormais le champion 2018-2019 de la discipline. Il s'agit de l'entente Desperados de Mtsapele Rugby Club du secteur sud de Mayotte, hier à Bouni. Dans des conditions météorologiques dantesques, l'entente Bouni-Mtsapele a eu raison du RCM, le rugby club de Mamoudzou, sur le score de 19-12. Et cela fait des années et des années que le bouclier était la propriété du RCM et du RCPT. Pour Mohamed Bouana, président du club du secteur sud de Mayotte, ce titre n'est que du bonheur. Il le dit au micro de Faïd Souhaili. On a mis en place ce projet et l'année dernière ça n'a pas marché, mais cette année on a mis le paquet et là ça a marché. On est super content. On va fêter ça comme il se doit. Merci à vous et à tout à l'heure.
Merci à vous, Mona Saïndou. La suite, c'est avec les grands titres de l'actualité. Oui, les Gilets jaunes vont repartir à la charge dans la capitale samedi prochain. Un appel à un nouveau rassemblement à Paris est lancé sur Facebook. Emmanuel Macron, rappelons-le, s'exprimera demain. Ségolène Royal a appelé solennellement le président de la République à avoir le courage de retirer une mauvaise réforme, dit-elle. Il lui demande de renoncer à la hausse des taxes sur le carburant. Une législative partielle avait lieu hier, dimanche, pour remplacer Manuel Valls, qui a démissionné pour aller se présenter à la mairie de Barcelone. Francis Choua, soutenu par La République En Marche, a été élu député de la première circonscription de l'Essonne face à une candidate de la France Insoumise. L'abstention est énorme, 82% d'abstention. Le député du Nord, Fabien Roussel, 49 ans, a été élu secrétaire général du Parti communiste français. Et dans son premier discours, il a réaffirmé sa solidarité avec les gilets jaunes, mais aussi les blouses blanches, les infirmières, les robes noires, les avocats et les cols bleus, les ouvriers. Les dirigeants de 27 pays européens ont approuvé l'accord de divorce avec le Royaume-Uni, à charge maintenant pour la Première ministre Theresa May de le faire accepter chez elle. Les forces démocratiques syriennes disent avoir capturé le numéro 2 de l'État islamique qui s'appelle Abu Zayd lors d'une offensive près de Deir ez-Zor. Il se cachait dans un tunnel prêt à se faire sauter, mais il ne l'a pas fait. L'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie est désormais maîtrisé à 100%. C'est ce qu'annoncent les pompiers américains. Il a duré 2 semaines. Au moins 87 personnes ont péri dans ce feu. 249 sont encore portées et disparues. Le feu a détruit 620 km² du territoire californien. Y a-t-il des séismes enfin sur la planète Mars? On le saura bientôt. Ce soir, l'objet spatial InSight se posera sur le sol martien. À son bord, un sismomètre français doit écouter, décrypter le processus de création des planètes rocheuses. Le voyage de 485 millions de kilomètres a duré 6 mois et demi. Et retour dans la région avec la revue de presse régionale. Le mouvement des Gilets jaunes ne faiblit pas à La Réunion. Oui, il se renforce même et Réunion Première nous apprend ce matin qu'il y a une vingtaine de barrages déjà en place à La Réunion. Les Gilets jaunes veulent maintenir la pression à l'approche de la visite de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Elle arrivera mercredi. En attendant, la ministre demande au préfet de déjà baisser les prix des carburants en attendant d'autres mesures qu'elle annoncera, notamment pour l'emploi. Elle aura examiné près de 500 revendications recensées à ce jour. Pendant le week-end, les Gilets jaunes ont fait une démonstration de force dans la ville du Port, tentant une nouvelle fois de bloquer le dépôt de carburant. De nouveaux affrontements se sont produits samedi soir entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les établissements scolaires ne seront pas ouverts aux élèves aujourd'hui, mais ce serait une sorte de pré-rentrée pour les enseignants. Certains professeurs n'ont plus d'essence pour aller au travail. L'université, pour sa part, ambitionne de reprendre mercredi. Et le mouvement des Gilets jaunes provoque le déroutement des navires et de croisières et de marchandises. Oui, plusieurs porte-containers sont allés décharger à l'île Maurice et les passagers du navire de croisière Costa Victoria ont été privés d'escale à La Réunion. Ils ont vu leur escale mauricienne prolongée. Deux autres navires de croisière sont attendus dans les prochains jours et devraient aussi prolonger le séjour à terre à Maurice en compensation de l'escale à La Réunion. Quant aux passagers réunionnais montés à La Réunion à bord de ces navires, eh bien ils rejoignent leur île par avion depuis Maurice. Et le président comorien n'a pas réussi à faire passer ses ordonnances à l'Assemblée. Oui, la journée et même la nuit de samedi a été agitée au Palais du Peuple à Moroni. Les députés étaient appelés à voter une loi d'habilitation permettant au président Azali de modifier le code électoral par ordonnance en prévision des présidentielles annoncées pour l'année prochaine. Les députés d'opposition, qui sont majoritaires au Parlement, sont venus avec l'intention de faire barrage. Opportunément, le président de l'Assemblée, qui lui est pro-Azali, est tombé malade et la séance a été annulée. Pour éviter une entourloupe, 17 députés opposés aux lois d'habilitation sont restés dans la salle jusqu'à minuit afin que la date du vote soit échue. En attendant, on attend maintenant de savoir comment le pouvoir va procéder pour modifier le code électoral. Et à Madagascar, les évêques critiquent sévèrement les candidats à la présidentielle. Oui, dans une déclaration signée samedi par 24 évêques de la Grande Île, et la déclaration est sans détour. Pouvons-nous encore faire confiance aux responsables de la nation? Demandent les hommes d'église. Il semble que l'égoïsme soit dominant dans ce pays plutôt que le bien commun. La vue des moyens faramineux déployés pendant la campagne électorale intrigue et amène les plus démunis à s'interroger, poursuit le communiqué de la conférence épiscopale. Les évêques adressent un message au futur président. Respectez vos promesses, honorez vos paroles, et tout cela en considérant nos recommandations. Les recommandations des évêques, c'est de lutter
en urgence contre l'insécurité, l'inflation, le chômage des jeunes et surtout la corruption. Et enfin, les universités françaises vont devenir très chères pour les étudiants étrangers. Les Mauriciens s'en inquiètent. Oui, coup de massue pour les 1800 étudiants mauriciens en France, titre aujourd'hui le journal L'Express, mais aussi pour ceux qui projettent de se rendre en France pour leurs études supérieures après l'obtention de leur Higher School Certificate, c'est l'équivalent du baccalauréat. À partir de septembre 2019, le gouvernement français prévoit d'augmenter massivement les tarifs pour les étudiants étrangers souhaitant s'inscrire dans ces universités. Pas moins de 100 000 étudiants étrangers, dont des Mauriciens, qui vont subir ces frais de scolarité exorbitants. Exorbitants, ils le sont. Un étudiant étranger souhaitant obtenir une licence débourse actuellement 170 euros de frais d'inscription. Les frais vont passer à 2770 euros en master et en doctorat. C'est encore pire, 3770 euros. Je pense qu'on va en reparler. Merci beaucoup Bruno pour ces informations. Il est 7h15. Zakwedi. Andrira Kutundavola. Et direction Mamoudzou avec vous, Andrira Kutundavola. Bonjour. Bonjour Youmna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, le député Mansour Kamardine. Merci d'être avec nous ce matin. Mansour Kamardine, vous avez organisé samedi une rencontre appréciée par ailleurs des auditeurs qui voyaient là comme un exercice de la démocratie participative que certains avaient l'impression d'avoir inventé il y a quelques années. Il était question d'évoquer la déclaration conjointe franco-comorienne des ministres Jean-Yves Le Drian et Mohamed Lamine Souef du 6 novembre dernier. D'abord, qu'est-ce que vous avez retenu de ces échanges avec la population ? D'abord, un grand sentiment de satisfaction. Je dois d'abord dire, vous avez dit que c'était une première, c'est la deuxième fois que je fais cet exercice. Où je viens à la rencontre de la population de Mayotte pour expliquer les enjeux, les sujets, les prises de position que j'ai pu avoir ici ou là. Et je souhaite continuer à le faire à chaque fois que les sujets les justifieront. Deuxièmement, j'étais content de constater qu'il y avait un engouement, parce que nous sommes ici dans une société orale, et dans les sociétés orales, les gens ont besoin de parler. Et donc nous avons pu échanger. Il y a eu facilement en 2 heures de réunion quelque chose comme plus d'une vingtaine de prises de parole, ce qui est assez considérable, des débats riches, nourris, où les gens sont venus, chacun avec ses propositions, ses inquiétudes, parce qu'effectivement il y a une grosse inquiétude dans l'opinion, et il était de mon devoir de venir devant la population et de leur dire comment je reçois les choses. Quand on lit les réseaux sociaux, il y a parfois des incompréhensions, des affirmations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve et tout. Donc il fallait effectivement venir donner une explication de texte. Alors donc il était question de cette déclaration conjointe du 6 novembre dernier, hein, des ministres français et comoriens. Vous l'avez décortiqué, vous avez discuté donc avec les auditeurs samedi dernier. Qu'est-ce que cette déclaration va maintenant changer pour Mayotte ? Quelles sont les perspectives de cette déclaration conjointe ? La déclaration conjointe, qu'est-ce qu'elle dit ? Je retiendrai 2 ou 3 orientations. La première, elle affirme que les Comores acceptent la réadmission de ces populations. C'était une grosse, grosse revendication, tout à fait légitime, et notamment des mamans qui se trouvaient devant la porte d'entrée du bureau des étrangers de M. le préfet. Donc ça s'est fait. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, les personnes en situation irrégulière qui sont interpellées à Mayotte sont reconduites aux Comores, et c'est une bonne chose. La deuxième chose, en contrepartie, le gouvernement français a décidé désormais de délivrer les visas. Vous savez, c'était une décision interministérielle de la France, avec des visas qui interdisaient, avec une décision qui suspendait les visas sur l'ensemble du territoire national. Et donc la France va redonner les visas. Et enfin, ce document, cette déclaration conjointe, fixe également une perspective, puisqu'elle dit qu'il va y avoir
d'ici la fin du mois de novembre la signature d'un document cadre qui fixera un certain nombre d'objectifs qui sont énoncés dans la déclaration conjointe sur la relation, le développement de la coopération bilatérale entre la France et l'Union des Comores, la circulation des personnes et des biens, comment on va faire, développer un certain nombre de coopérations, peut-être faire en sorte que les autorités comoriennes participent à la sécurisation de leur île et de ne plus laisser les Kwassa-Kwassa partir comme ils le font actuellement. Autant de sujets qui peuvent effectivement intéresser Mayotte. Est-ce que les élus maorais vont participer à ces rencontres? Est-ce que vous avez été consulté? Et surtout, est-ce que ce n'est pas une feuille de route bis? Alors, il faut que les choses soient claires. La feuille de route de mars, de septembre 2017 est morte depuis le jour où, d'ailleurs, c'était M. Sorin qui était directeur des cabinets de l'Outre-mer, est venu face à la presse annoncer la suspension. En fait, ça voulait dire qu'elle est morte. Elle est morte, mais la relation franco-comorienne est une relation vieille de plus d'un siècle. Et depuis que les Comores sont indépendantes, la France a signé avec les Comores plusieurs accords, sans que les Maorais en soient forcément associés. Et donc, même si la feuille de route est morte, il va y avoir d'autres accords. Et la France signe des accords avec d'autres pays, ainsi de suite. Donc, il va y avoir des accords. Ce qui est intéressant ici, et par rapport à la feuille de route, par rapport même à la déclaration d'amitié de 2013, c'est que tous ces documents ont été faits sans que les Maorais en soient informés, consultés ou associés. Ou associés, consultés ou informés. On apprenait soit sur les réseaux sociaux, en ligne, sur Internet, soit par la presse, qu'il y avait des documents qui étaient signés, qui intéressaient Mayotte. Depuis la triste épisode de la feuille de route, eh bien, je crois que la France est contrainte de faire un effort d'associer les Maorais. C'est ainsi que, par exemple, la déclaration conjointe, avant d'être signée, les parlementaires ont été informés. Je ne dis pas associés, informés. Un coup de fil. Allô, monsieur le député, voilà les orientations que nous entendons prendre avec les Comores, ainsi de suite. Et puis, là, avec l'accord cadre qui est annoncé, nous sommes consultés. C'est-à-dire que nous avons eu une première réunion à Paris, au cours de laquelle on nous a exposé les orientations qui susceptibles d'être arrêtées dans le cadre de cet accord cadre. Nous avons donné notre point de vue. Ensuite, la France va négocier avec les Comoriens. Et puis, nous avons été conviés à une prochaine réunion également à Paris, certainement pour nous dire le résultat des démarches et des échanges qu'il y a eu entre les deux États, ainsi de suite. Ça, c'est aussi une heureuse évolution qui n'existait pas. Mais nous souhaitons, certes, nous saluons cette évolution, mais nous souhaitons que nous en soyons plus associés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le seul territoire de la République qui fait l'objet d'une revendication territoriale par une puissance étrangère, par un État étranger, c'est Mayotte. Et donc, cette singularité de situation impose également une singularité de relation. Même si il est vrai, et tout le monde est d'accord, que ce soit la France qui négocie les intérêts de la France, d'abord, la loi ne interdit pas à ce que l'État, notre État, puisse mandater une collectivité, par exemple le conseil départemental, pour négocier les intérêts de la France dans la zone. Mais surtout, la loi impose à ce que nous en soyons associés. Et maintenant que nous sommes associés, eh bien, il faut que nous prenions toute notre place pour dire ce que nous voulons. Et puis ensuite, on verra si ce que nous voulons, c'est ce qui est obtenu, parce qu'on peut vouloir des choses et ne pas forcément les obtenir. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit encore discuter avec quelqu'un? Le président Azali, mais son ministre des Affaires étrangères, a fait de même, qui ne cesse de répéter que les Comoriens ne seront jamais des illégaux à Mayotte. Alors, deux observations. La première, c'est que quand dans les échanges bilatéraux entre la France et les Comores,
aucune autorité comorienne ne vient dire à une autorité française que Mayotte est française et qu'elle réclame Mayotte. Ça, c'est un discours, en réalité, d'une manière générale, qui est fait en direction de l'opinion publique comorienne. La deuxième chose, moi, je considère que nous avons intérêt à discuter, d'abord pour les encourager à contrôler leur territoire, à empêcher à ce que les gens viennent ici, parce que nous avons contre nous le droit de la mer. Le droit de la mer interdit à un État de repousser en mer les gens qui tentent d'arriver chez lui. Et donc nous sommes obligés de les prendre jusqu'à chez nous, puis ensuite essayer de les reconduire. Si les Comoriens empêchent les gens de partir, les Kwassa de partir, d'Anjouan, à ce moment-là, nous aurons déjà gagné une bonne partie dans l'opération de lutte contre l'immigration clandestine. Donc nous avons intérêt à discuter avec les Comores. Enfin, je pense, pour ma part, que ça, c'est une étape, mais il conviendra, il est arrivé le moment, désormais, non plus de dépasser un contentieux franco-comorien, mais d'aller régler définitivement ce contentieux, parce que nous sommes de ceux qui considérons que, de manière définitive et arrêtée par les Mahorais, Mayotte est française, elle le restera à jamais. Et donc, nous devons pouvoir, dans le cadre d'une relation franco-française, c'est-à-dire entre notre État, notre diplomatie et les élus maorais, de nous retrouver ensemble, d'élaborer une feuille de route franco-française. Ce n'est pas la fameuse feuille de route qui a été écartée, mais une véritable feuille de route en vue de favoriser à l'international l'insertion de Mayotte, aussi bien dans sa région. C'est la COI, c'est les jeux avec nos drapeaux, c'est tout ça. Donc il faut qu'on s'organise en conséquence. Et puis deuxièmement, faire en sorte que partout dans le monde, Mayotte soit reconnue comme une entité française. C'est du reste ce que j'essaye, comme en étant membre d'un certain nombre de groupes d'amitié étrangers, que je fais à chaque fois où je me déplace à l'étranger, pour rappeler aux autorités de là-bas que Mayotte est française et que je suis l'un de ses élus, ainsi de suite. Donc, Mayotte est française et elle le restera à jamais. C'est ce que vous essayez de faire, immerger également à travers ce document qui a été donc discuté samedi dernier. Monsieur Kamardine, il y a d'autres actualités qui touchent également notre pays. C'est Brigitte Girardin, ministre des Outre-mer, qui viendra à La Réunion mercredi, et bien avant son arrivée, elle a demandé au préfet une baisse immédiate du prix des carburants. D'autres annonces devraient arriver. C'est pas Brigitte Girardin. Madame Annick Girardin. Et d'autres annonces devraient être faites lors de ce déplacement, selon les médias locaux. On parle ici de ce mouvement des Gilets jaunes qui touche la France de façon en général. Mayotte ne participe pas, mais on observe ce qui se passe. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, ce mouvement? Alors, plusieurs choses. Je vais commencer par la fin. D'abord, il faut se méfier de l'eau qui dort. Mayotte, vous avez vu, quand il y a quelques années, le mouvement en Guyane, les frères, je ne sais plus comment on les appelle, en Guyane, et Mayotte était restée calme, elle a regardé, et puis elle s'est réveillée brutalement et avec force. Aujourd'hui, Mayotte n'y est pas, mais je crois que Mayotte a l'œil rivé et regarde comment les autres sont traités. Et je dois vous avouer que je suis heureux de relever que la ministre de l'Outre-mer n'a pas, cette fois-ci, méprisé les Réunionnais comme elle a cherché à le faire, ou minimisé en tout cas les Réunionnais comme elle avait cherché à le faire à l'endroit des Mahorais, puisque s'agissant de Mayotte, elle avait mis plus d'un mois avant de venir ici. Là, elle réagit, elle va à la Réunion, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que j'observe également avec satisfaction qu'avant même d'arriver, elle a compris le malaise et la colère qu'il y a là-bas. Et là, elle cherche à dégoupiller et donc à apporter déjà un certain nombre de réponses. Mais plus généralement, pourquoi en est-on arrivé là? Vous voyez que nous avons aujourd'hui un pouvoir qui est en rupture avec tous les corps sociaux. Méprise les collectivités locales, pas de dialogue. Vous avez vu le président de la République qui avait annoncé l'année dernière qu'il viendrait à tous les congrès des maires. Et le premier congrès des maires qui s'est présenté après cette déclaration, il ne vient pas. Il cherche à diviser les maires en invitant un certain nombre
à l'Élysée pour leur parler directement, en occultant les autorités, notamment de l'association des maires, comme il le fait avec l'association département, comme il le fait avec l'association. Mais Monsieur Kamadine, là, c'est un élu de l'opposition qui parle. Mais vous savez, c'est triste, mais ce sont des réalités. Les mamans, si on était à Mayotte, on dirait les mamans. Mais les personnes âgées qui défilent dans la rue, mm-hmm. quand vous voyez une personne de 70 ans qui va dans la rue et qui interpelle Macron, il est dans l'opposition aussi. Il faut arrêter ici, sur ce territoire. Il y a un certain nombre de difficultés qui sont posées à la vie des gens de tous les jours. Il faut qu'on en convienne. Moi, j'ai vu, par exemple, une affiche qui a circulé sur les réseaux sociaux où quelqu'un dit, voilà, moi, je suis smicard, je touche 1200 euros. Il fait les décomptes de toutes les dépenses, de ses dépenses obligatoires. Et il arrive à 0,25 euros pour survivre pour le mois. Vous croyez que ce sont des vies, ça? Est-ce qu'on a besoin d'être dans la majorité ou dans l'opposition pour connaître des situations? Ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition, c'est une question des réalités, de savoir la souffrance des gens qui nous mandatent. Nous agissons au nom du peuple français. Si on n'entend pas ce que dit le peuple français, c'est une difficulté. Et je crois que Macron, aujourd'hui, est en difficulté parce qu'il refuse d'entendre la souffrance, il défie d'entendre la souffrance du peuple français, et le peuple français le lui rende. Parce que jamais dans l'histoire de la République, on a vu devant les grilles de l'Élysée des gens venir manifester, demander la démission du président de la République. Donc moi, si j'ai un message à dire, c'est de dire, vous savez, moi, je le dis très, très simplement, au second tour, j'ai voté Emmanuel Macron. Personne ne m'avait obligé. J'ai voté Emmanuel Macron, j'ai appelé à ce qu'on vote Emmanuel Macron. À l'Assemblée, j'ai voté la confiance au gouvernement, en espérant qu'effectivement, que nous apporterons des réponses aux situations qui sont posées. Parmi les gens qui sont dans la rue, plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire des millions de personnes ont voté pour Emmanuel Macron. Là aussi, ils font de la politique. Je crois que la situation est tout simplement extrêmement grave, parce que Emmanuel Macron s'attaque aux plus petits, et les plus petits sont dans la rue, les sociétés moyennes et les plus faibles sont en situation de difficulté majeure, et le font comprendre, alors qu'Emmanuel Macron ne le fait pas. Regardez, un autre exemple, j'ai fini, la taxe carbone. Mm-hmm. La taxe carbone. Pourquoi on ne demande pas aux avionneurs de payer? Pourquoi on ne demande pas aux armateurs de payer? On va demander à la mamie qui a besoin d'un peu de gazole pour se chauffer et passer l'hiver pour payer? Ça, ce sont des injustices. Donc je crois que même Emmanuel Macron commence à le comprendre. Il a parlé une première fois avec beaucoup de fermeté. Hier, il a fait preuve d'une ouverture en disant « on ne peut pas construire en laissant les classes moyennes » et ainsi de suite. C'est très bien. Et il va parler demain. Je suis persuadé qu'il va se rendre compte à l'évidence qu'il ne peut pas réformer la France contre les Français. Merci beaucoup, Monsieur Kamadine, d'avoir été l'invité de Zach Ueli ce matin. Dans un instant, on aura le journal en Maroc avec Mona Saindou. Merci. Bonne journée à tous. Gazeti Fumujana Mwana Saindu Tiurunguti. Maraba bibi mna watukufu salamu ujulanyu watashao shizangi na zabira mwiso mfumonu vandu wa karfurungwezi suilini mtuwa vinga garlahi ya kovira vandu wazia mwanapavi bavovula watu wa parasaba wakamili de wa mgilia wa mhozo wa mfungu mmoja na mnyayaka na waye garini vandu kama urungu wa vandu wa maza staki. Watu kamba pala 300 hausha shi 60 wala hala mambavu wengine ya stiza pala nsazavonzi doa indoa usuku ya meso ulara ngu meso inde miona no ya raru ya husu hifadhi ya uwanata harimu wa nshisiwa ya shimore de tuandi sao suzdukuru harimu wa ziabarza tu za basavano wameona no yangine ya kayatayarishwa wabandu wa kiblandi uyo uyo mwiso wa mfumunu harimu wa wabandu wa ekomini ya hakuwa baina maporto de proje na wa ikomba de wasaidi watojwa wasaidi haindimu watojwa wasaidi hamariki taikemba mashirika ya zi ya shinafusi yao ya fuzu yini alzina la mfumu walishwa harimu albara la Europa la utudhukuru ankiba na mkingiano. De hawandi sakadi muna tasha ushi zavira karfuru ngwezi shirungi mwiso wa mfumonu. Mwiso wa mfumonu wa mtu ikamba wae wa shisada kovira vanu vingili galae akanamnya he garini wa watu wa para saba wa kamili de walawa harumwa shisaha karibu na vanu wa mgilia. Unu mbahasazi ya kwenda ndrauze tuzai kafardhu ya ziemona pavanu wakatun kamuli watu wanu wa mgilia na rifulishe zuzalunga wae mwenye de harambia uzo. Tamgu vers 3h, tamgu vers 3h, au cas de Carrefour Ngozi, si j'ai un arme à parler à Yababo,
Inimarararu maore vulio miona no yahusu hifadhi wanatsa watiti itsoka meso mufumune. Watu kamba doa indua wano jarangifungu harumu wa mwona nunu wapara ngdada 300 na mneo mingonu mwao. Wasiti ni wala harama mabavu yangina esi za shifara nsa za bonze. Iba vanu wanatsanu ikuamba wako wabali hii esa wa suti paratua. Senda pamba mabari nbabu wawa wangavi harama eshiwa eshimawari wangavi. Doa staki wapari misada ya sirikali taikembe wangaliwe. Masuala ya mengi halisi Andri Rakutundavola Abdelman Said. Hisabu za huisa zijilanao maore za husu wanata wanda omboya. Deza wana David Guyo mtaandlamu wa maisha ya kila suku. Sosiologu azitoa mwa 2012 mazena maha sita. Hazi za huisa za nyumba ya sirkali irongolo Observatoire des mineurs isolés za lawa mwahaunu zisi irongwa. Amba hisabu za wanata kawana wajema za maore kazi sihe ya wala kazi si shuka. Wamkabala wa 400 be 300 de waparhanao amba kawana mtumbole itsuko yotsi karibu nao. 300 watoshinda warengewe dhomana na isirkali ya maore hawaveleha haramwazi ngujama zifanyao hazi na ikonsei departementali. Watu watanabahi tena ambavwa wanahirimu kawabalighi wazunguho tena inirungulo demand dazil watalia kondro tizao hususwani wala wabara lambrima kutuza harihari ya vingali zina la Grand Lac. Wani urengewa dhomana be wengine mwao mkabala watusu ni harmwamia upara makartasi wandre Faransa. Mwa 2017 nyumbabole ishahili hao na wanahirimu na zingu jama isaidi wa 180 million za euro ile ihifadhi wanahirimu maorevani ivo ilio amba dhamana zila wa daula zija sirkali ya maore konsei departementali. Hazinyengi lizabuziwa maendeleo vubula mpango mvia. Watumia wa 20 na wararu warengwa mahazini. Washahidi hao na zingu jama maasistan familio 20 na wararu masosio edukatif vumojana 10 wangina wasaidi hao malagoni. Zisharia za lazimu zihifadhi wanataikamba kwa parama 11 wanu wazingiza utu mavareni zo zababu kisha surumishia osho rasmi bebanu zo surumishia jeje zeeba watongo zikamba zo za lazimu zituenziani zilikiani na martaba ya wa maore bali kamba idepartema aina wanata wengi alisi idu andro pamba mavareni babu usuprefe wa kohesion sociale bwana Dominique Fossa ajibu maswali Andri Rakutu Ndavola harmwe tafasiri ya Abdelman Said. La loi sur la protection de la sharia ihifadhio wanahirimu itekelezewa tena idungamanisiwa na ya maendeleo muhimu de uhifadhi wanahirimu mikabala pia unono msomo utahadharisha tabia za peu amana dhamana za wajemaza. Zi muhimu amana dhamana za mahakimu na zi swana za lazimu zitulenziani maore sawa na wangina. Bekila bavu lina mahususu zalo mfano wa indadi ya wanahirimu munina wakazi pia ama na zi swana za nyumeni mfano za tulenziani ama na imisa da mbalambali mauride ya daula ama na ya konsei departementali. Daula ilio amba isaidia imaore 180 million za euro hausaidia ifodomana za husu wanahirimu za lawa daula za wasili konsei departementali rangumu hashana.
Nisfikiri amba muhimu deutianziani zizaria bila ufikiri helizo rumishi hao. Be haliangina na li suala la mrumili mahususu wa zizaria ne lazimu li ziswe. Muhimu watu wafanyihima atatongo zirengele zewe njema njema. Mwezi wa Novemburu mwezi walishua watu wa dhukuru ankiba na mkingiano harimu albara la Europa. Babo marihunu mwiso mfunu watu wa kawandi wa hakwa matalamu wa wikwamba li watujo wa bimsada wa ujuna. Mipango ya watu wenza ikemba wa ehezi uju utaikimikunishie. Na kwa kila mtu ikwamba wa edi akawakili shirika lazi la shinafusi ya manu. Akana dakika 15 ya ujusifu zwazifanyahu. Ata ikemba apare zi anlimu na marifa. Ama na imisada ya lazi mjami la sodiki. On a une association. On apporte de la technique chez des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Tumbu Twalibu, le doamana wa régie territoriale Maisha Espoir ya Hakwa, harma dakika 15, waye atekeleza mpango za haza wafanyao mbedi za wantu wakahudhuria bani, basi eba wakatunu utosho. Sifikire mba neka rakozoene sa shiturifanyao. Dakika 15 yo utosha, mana karakozoongi ya swafi muna isitu modeli liyo swafi. Imnofia hebe ri sensibize watu tombabanu wasi ma strukturi ya ekonomi sosiale solidari. Uvande wa raisi wa magardien di litorali dakika 15 yo shashi waika para rungwa pia tongo zahe akotaha tekeleze. Uvande ya wanu aja wa kwa vulikia tongo zo skanduzuri ya bi Ismaeli ashaidi hao na mipango ya husu ulanga harma ljumba la deyali asurungwa mba wakati mshashi unu ruhusu wantu wande harma mnofu wa strongo. Wabodu wantu renga zinambari za telefoni idepare wantu wa jangie wana harma mahadisi angina. Na indi madhumuni ya mwona noini ufanya namna ata wantupara ungidiana uvande wa bwana Tumbu Twalibu yoruhusu wana wantu wengi harma muda mshashi. Zuri bora parana na watu wengi. Donku yo hatu yo muhimu mana harma lerambilitaru wasupara watu wengi. Ueleza tungo zatu, waribingia na fikira zao modeli watoshinda wareleze. Madza, warenge zinambari za telefoni, ibaki dojo vana randevu, ilepari wajotadie hau zuri mipango yao. Nalvite, sukara anafura, marhaba. Marhaba, Mwana Saindu, merci de votre fidélité à Mayotte la première, il est 7h41. L'édito. L'édito, comme tous les jours, présenté par Ismaël Saïd Kombo. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et nous sommes le lundi 26 novembre 2018 et nous entamons aujourd'hui la dernière ligne droite avant la signature d'un document cadre qui doit préciser les engagements de Paris et Moroni, s'agissant notamment de leurs relations en général et de l'île de Mayotte en particulier. Des relations mises à mal pendant un certain temps mais qui ont dû connaître un réchauffement ces derniers temps. C'est un document cadre que les Mahorais attendent avec beaucoup d'impatience car il sera déterminant dans la suite des relations bilatérales en question avec au centre des discussions l'île de Mayotte. Oui, les deux parties sont en pleine tractation en ce moment, surtout diplomatique, pour trouver l'une et l'autre la meilleure formulation des intentions à la fois françaises et comoriennes qui conviendraient aux deux pays sans froisser les Mahorais. Exercice plutôt difficile, mais pas impossible, si l'on se réfère à la déclaration conjointe du 6 novembre dernier des deux entités concernées, représentées par leurs ministres respectifs des Affaires étrangères, afin de permettre à nos auditeurs et à nos téléspectateurs de mieux se retrouver dans cette affaire. Rappelons d'abord que ce que nous savons et rappelons d'abord ce que nous savons et qui devra, d'une façon ou d'une autre, être surmonté par les deux parties. Alors, ce qu'on le sait déjà au niveau du langage, c'est que Moroni parle de l'île comorienne de Mayotte et que de l'autre côté, Paris parle de département français de Mayotte. Oui, pour rappel et en préambule de leur toute nouvelle constitution adoptée récemment, les Comores insistent sur le fait que Mayotte est comorienne et le restera à jamais. De l'autre côté, par la voix du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, devant l'Assemblée nationale, et en réponse à la question que lui avait posée le député de Mayotte, Mansour Kamardine, l'État français ne transigera jamais, s'agissant notamment de l'île de Mayotte. Alors,
De deux choses l'une, ou alors cette question est dépassée par les deux parties, par les deux pays, au point que de parvenir, je dirais, à la déclaration du 6 novembre, où également Moroni admet que l'essentiel est bien ailleurs et qu'il est temps de relancer, comme cela a été acté dans la déclaration commune, sur de nouvelles bases et selon des modalités adaptées, la coopération bilatérale entre la France et les Comores, avec un projet ambitieux de développement axé entre autres sur la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, l'éducation, l'emploi, l'agriculture et la santé, étant entendu que la santé devra faire l'objet d'un accord intergouvernemental permettant une refonte de la coopération sanitaire sur la base des travaux menés par la mission de Madame Voynet, vous vous en souvenez, il n'y a pas très longtemps, et de Monsieur Renouf, mandaté par le Premier ministre français. Ce qui est certain ici, Ismaël, on ne soutient pas l'idée selon laquelle aucun Comorien n'est étranger à Mayotte. Oui, et puis il est important de noter que si le motif de satisfaction dans le camp de Mayotte, c'est la mise en place d'un comité de pilotage franco-comorien de haut niveau auxquels seront associés les élus maorais afin d'assurer le suivi de l'ensemble de ces engagements des deux pays, il reste que les parlementaires du département de Mayotte, au lieu d'être consultés, ce qui fut le cas déjà, ils souhaiteraient participer pleinement autour de la table des négociations, autour de la table des discussions, je dirais, aux travaux devant aboutir à la rédaction finale des différentes mesures qui seront détaillées dans le document cadre très attendu, nous vous le disions plus haut, et qui sera signé par les deux États comoriens et français incessamment sous peu. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. Nous reviendrons sur les messages que nous avons reçus dans 5 minutes. Ça sera le journal des sports, mais tout de suite, c'est le supplément Formule Lundi. Oui, avec un balayage de la presse locale ici à Mayotte. Et nous avons reçu entre-temps donc Flash Info lors de la première revue de presse il y a une heure. Nous n'avions pas pu parler de Flash Info parce qu'il est arrivé précisément pendant cette revue de presse en Flash Info qui titre aujourd'hui sur les nouvelles pistes pour briser l'omerta. Il s'agit des violences faites aux femmes. Il y avait la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes qui se déroule d'ailleurs tous les 25 novembre. Alors à Mayotte, elles vivent dans des bangas, mais pas seulement, elles vivent aussi dans des quartiers résidentiels. Elles sont mères de famille ou jeunes mineurs. À Mayotte comme ailleurs, la violence touche toutes les femmes, nous dit Flash Info ce matin, sans distinction sociale ou ethnique. Beaucoup n'en parleront jamais, particulièrement sur un territoire où la tradition religieuse pousse à la discrétion. Alors dans cet article de Flash Info, on apprend par la voix du procureur de la République qu'on étudie à Mayotte la mise en place du téléphone grave danger. On l'appelle TGV, comme le train à grande vitesse. Alors il s'agit d'un dispositif déjà appliqué en métropole qui met à disposition des conjointes violentées un appareil géolocalisé qui, en actionnant un simple bouton, permet l'intervention rapide des forces de l'ordre. Une annonce importante dans Flash Info aujourd'hui pour les propriétaires de deux roues. Attention au vol de scooters. La police nationale alerte les habitants de Mayotte sur sa page Facebook sur une recrudescence des vols de deux roues. Ainsi, depuis quelques jours, les services de police enregistrent des vols de scooters dans les cours intérieures de résidences et sur la voie publique, principalement dans le sud de Mamoudzou. Et la police ajoute que dans de nombreux cas, les propriétaires n'avaient pas attaché leurs deux roues. Donc ne facilitez pas la tâche des voleurs, nous dit la police sur sa page Facebook, et attachez vos deux roues, si possible, à un point fixe. On ne s'étale pas là-dessus, puisque Ismaël vient de nous en parler longuement, et ainsi que le député Camardine dans Zakweli. L'accord France-Comore est à la une du Nouvelle de Mayotte, toujours aussi passionnel, nous dit le journal, qui dit que les passions sont encore plus vives qu'au temps des sorodas et des serrer la main. Une démolition de banga illégale à Chirongui, c'est dans tous vos journaux ce matin. C'était sur le village de Mramadoudou. À la demande du maire, un banga a été détruit. Les mineurs en danger, ce sera le thème de la semaine. On en parlera beaucoup cette semaine avec les rencontres territoriales de la protection de l'enfance. Combien y a-t-il de mineurs
sans adultes référents à Mayotte, 4000, nous disent les journaux ce matin, et dont 300 n'ont absolument aucune attache familiale. Ces 300-là sont principalement des Africains, nous dit notamment les nouvelles ce matin. Et puis on nous parle également du tabac, la consommation de tabac chez les jeunes. Les étudiants du centre universitaire ont organisé une rencontre à ce sujet pour essayer de venir à bout de ce phénomène qui fait que des enfants se mettent à fumer à l'âge de 13 ans, et surtout avec l'arrivée des fameuses cigarettes de contrebande venues des Comores qui s'appellent les Selacantes et qui coûtent seulement 2 euros le paquet. Et puis enfin, le journal de Mayotte nous parle de ces deux rues baptisées à Tsunzu. L'adressage en bonne voie, deux nouvelles rues ont été baptisées. On pense que d'ici à 2 ans, la ville de Mamoudzou sera entièrement adressée, si l'on peut dire, et que les gens pourront enfin recevoir du courrier et devront aussi payer leurs impôts locaux. Merci beaucoup Bruno. Et la suite, c'est le journal des sports sur Mayotte. La première, il est 7h50. Et c'est présenté aujourd'hui par Faïd Souhaili. Bonjour. Bonjour Yubna, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal des sports. Au sommaire ce matin, du handball avec la CCCOI à Madagascar, du rugby avec la fin du championnat à 15, du volley avec des chocs au sommet en championnat masculin et féminin, et du football avec une cérémonie de récompense qui fait beaucoup jaser. Et on commence donc avec du handball avec la CCCOI, la Coupe des clubs champions de l'océan Indien qui a débuté samedi à Madagascar. Oui, Yumna, deux équipes représentent Mayotte, le Pouezza Club de Bouéni chez les dames et l'AS Tsingoni chez les messieurs. Après 2 journées de compétition, le bilan est correct. Mention très bien pour l'instant aux filles de Bouéni. Ce dimanche, elles ont battu les malgaches de l'AS Tsiki 25-22. Samedi, les garçons de Tsingoni ont fait match nul contre les réunionnais du Saint-Pierre Handball 23-23. Les Maoré peuvent avoir de gros regrets. Ils menaient à 20 secondes de la sirène finale avant de prendre un but égalisateur. Hier, Tsingoni a perdu contre le COSFA, le club des armées malgaches, 26-23. Ils sont déjà au pied du mur. Il faudrait un miracle pour décrocher l'une des places de finaliste. Le tournoi se poursuit aujourd'hui. Bouéni joue à 11h45 contre les Seychelloises de Cap Sister. Et les Tsingoniens devront faire fort pour battre les malgaches de l'AS Saint-Michel. Coup d'envoi à 17h. La phase de poule se termine vendredi pour les hommes, jeudi pour les dames. Les finales sont prévues samedi après-midi au Palais des Sports de Mahamasine à Antananarivo. Et retour chez nous, Faïd, avec du rugby à 15. Ça y est, on connaît les champions de Mayotte 2018-2019. Oui, il s'agit de l'entente Desperado de Msapere et le rugby club du secteur sud de Mayotte. Cette équipe a battu à Bouéni hier le RCM, le rugby club de Mamoudzou, 19-12 sous une pluie d'enfer. Le terrain ressemblait plus à une piscine olympique, à une pelouse digne de ce nom. Ça fait 2 ans que Bouéni espérait remporter ce bouclier de champion. Qu'est-ce qui a fait la différence cette saison? Voici la réponse du président de Bouéni, Mohamed Bouana, au micro d'Aurélien Février. Ce qui a fait la différence, c'est qu'on a eu pas mal de recrues cette année, donc tous les postes ont été calés, donc on a bien travaillé depuis le début, voilà, à la fin ça a payé. Là, je suis, on va péter, le clubhouse, il va péter. Alors là, je vais signer pour tout le monde, il n'y a personne qui ira au boulot demain, j'envoie des lettres de partout. Et du côté du RCM, grosse déception pour le titre de champion. Il fallait une victoire de 50 points, donc ce qui était quasiment impossible. Pour le pilier et talonneur de Mamoudzou, Maxime Bateux, leurs adversaires étaient tout simplement trop forts. Ils ont été plus forts que nous. Derrière, on a fait des bêtises. Devant, on s'est énervé. Voilà, c'est de la lucidité, du travail. Ben voilà, c'est tout. C'est ceux qui travaillent le plus qui gagnent. Et voilà. Et après les vacances scolaires, place au rugby à 7 et à la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien. Et on passe au volley. Cette fois-ci, il fallait être au plateau de Mbalamanga pour assister à 2 chocs au sommet, Faïd. Oui, Yumna, aussi bien chez les dames que chez les messieurs, le champion affrontait son prédécesseur au palmarès. Chez les dames, il y a eu une partie haletante entre le VCM de Msapere et les All-Stars de Petite Terre. Victoire 3-7-2 des Msapéroises. Elles ont fait la différence dans le dernier set en s'imposant 15-5. Une victoire au mental pour Asiati Mahmoud, passeuse du VCM. Elle est au micro d'Aurélien Février. Quand on a perdu le quatrième set, donc du coup, on s'est dit que c'est vraiment pas le moment de lâcher, donc il faut aller jusqu'au bout. Et on a montré dans les sets précédents qu'on était capable de faire, donc on a voulu reproduire.
On a justement des petites qui manquent d'expérience. Donc quand elles gagnent un match comme ça, c'est vraiment le mental, ça joue énormément. Donc il faut une victoire comme ça pour bien affronter la suite. Les petites terriennes étaient pourtant revenues dans la partie en égalisant à 2-7 partout. La capitaine Myriam Briol nous explique ce qu'il a manqué pour l'emporter, toujours au micro d'Aurélien Février. Un peu de chance certainement. Et puis un peu de régularité surtout en fait. Ben, dans le dernier set, ben, elles ont très bien servi de suite et nous on n'a pas réceptionné. Et le volet, si on sert bien et que l'autre équipe ne réceptionne pas, on ne peut pas gagner, c'est sûr. Donc c'est ce qui s'est passé. Après, je pense que c'était quand même un match sympa. Il y avait du jeu des deux côtés. Il se trouve qu'aujourd'hui, ben, elles ont été au-dessus. Et chez les hommes, est-ce qu'il y a du suspense, Faïd ? Oui, Yumna, il y en a eu entre le champion en titre, le VCM, et Vaibé, son voisin. Une rencontre là aussi épique, Aurélien Février. Et on a dû aller jusqu'au bout de la nuit pour connaître le vainqueur de ce derby. Une rencontre qui a duré plus de 3 heures, 4 balles de match, notamment sauvées par le VCM qui s'impose au final 3-7 à 2. Une victoire en champion pour son capitaine, Faïkal Moumouni. À un moment, on s'est mis à jouer à fond, donc ça a payé. C'est quand même un gros match, mais bon, on a su s'appliquer, se réveiller au bon moment, donc ça s'est passé. C'est ça ce qu'on est en train de champion en fait. C'est toujours rester concentré, à fond dans le match, que ça soit balle de match, on a besoin de toujours rester à fond et toujours aller à fond. On a écouté le coach, on est resté à fond dans le match, tête froide, concentré, on a réussi à passer. Les deux équipes ont joué les yeux dans les yeux tout au long de la rencontre et il n'a pas manqué grand chose pour que ça bascule du côté de Vaibé. Mohamadi à Amada Salman, son capitaine. On a eu trop de déchets, la réception. Je sais pas si t'as remarqué, mais à la fin, ce qui nous a vraiment fait défaut, c'est la réception. Donc en plus, on loupe 4 cales de match, comme t'as dit. Et voilà, ça paye cash sur ces matchs-là. Et en plus, on sait très bien que face à ces équipes-là, le match se joue sur des détails. Aujourd'hui, ça a été en leur faveur, mais on espère que la prochaine fois, on essaiera de rectifier le tir. Et comme chez les dames, il n'y avait ni arbitre officiel, ni marqueur officiel dans une rencontre où la rivalité et l'enjeu sont omniprésentes entre ces deux équipes. Et au classement chez les dames, le VCM passe en tête, les All-Stars se suivent derrière et devancent le VCKB et Sada. Chez les hommes, malgré la défaite, Vaibé reste largement devant. Le VCM est toujours 5e au classement en raison de matchs perdus par pénalité. Mbouinim, Sankadois et Larek de Msamboro occupent les autres places pour les playoffs. Et on change de sujet pour la suite de ce journal des sports. Passons au football. La Ligue mahoraise a décidé de récompenser les joueurs, entraîneurs et arbitres lors d'une cérémonie de remise de trophées. Une soirée à l'image de ce que fait l'UNFP, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Le budget n'est évidemment pas le même, hein. Il y a beaucoup de choses à améliorer de l'aveu même des organisateurs. Et notamment la procédure de vote. Beaucoup de personnes reprochent à la Ligue d'avoir été trop rapide en la besogne. Les entraîneurs et joueurs devaient voter, mais beaucoup disent ne pas avoir été au courant de ces élections. La preuve en est que Adifan Hamada Nusura, donc sacré meilleur joueur, n'était pas présent et il a appris la nouvelles par téléphone. Quoi qu'il en soit, les lauréats sont contents. C'est le cas notamment de la meilleure joueuse Bibi Saraboura du Bandel FC ou encore du meilleur gardien de Régional 1, Moussa Elamine Haruna di Makarara. Le gardien des jumeaux espère que l'opération sera renouvelée l'an prochain. C'est une bonne initiative. Moi j'encourage à ce que ça continue encore et j'espère que je serai encore là la saison prochaine, je l'espère vraiment, et j'encourage aussi encore les autres qui n'ont pas gagné aujourd'hui, qui n'ont pas démérité non plus, mes collègues Anafi, Abdallah Khalifa et le gardien de football 2000. Mais c'est une bonne initiative, je remercie aussi la Ligue de football de Mayotte de nous avoir reconnus au jour d'aujourd'hui. C'est une continuité, sincèrement j'espère que la Ligue va continuer encore. Et enfin, pour finir, du judo, le comité a organisé samedi le premier rassemblement des mini-poussins et poussins au dojo du collège Ouvan Mouja à Passamaïti. Oui, un rassemblement d'une centaine d'enfants âgés de 6 à 9 ans qui se veut avant tout ludique et convivial. On écoute à ce propos Bruno Bonnefoy, membre de la commission technique du comité de judo de Mayotte. L'objectif est avant tout convivial, hein, organiser des manifestations pour que ces enfants est l'occasion de rencontrer, de s'amuser, éventuellement de combattre avec des enfants d'autres clubs. Évidemment, à cet âge-là, il ne s'agit pas de repérer des champions ou même des futurs champions, c'est juste leur donner le goût de la pratique. Et samedi prochain, toujours à Passamaïti, un entraînement de masse est programmé pour les plus grands, de 10 ans des Benjamins aux seniors, et le judo qui se prépare activement pour le jeu des îles des Océans Indiens. Et quelques résultats de basket avant de finir, Faïd.
Oui, chez les dames d'abord, donc on attendait un choc entre le BCM et le Vautour Club de l'Abattoir. Malheureusement, les petites terriennes ne se sont pas rendues au Baobab. Ce match leur aurait servi de répétition avant de jouer samedi prochain contre les Réunionnaises de la Tamponnaise en Coupe de France au gymnase de Pamandzi. Du côté des leaders, le Fusélips, les joueuses de Cavani l'ont emporté face au Golden Force de Chicony 64 à 58. Chez les hommes, pas de problème pour le BCM hein, contre le Magic Basket, victoire 101 à 58. C'est bon pour la confiance, mais samedi contre les Réunionnais de Saint-Paul, ce sera une autre histoire. Et Rapide Éclair de Pamandzi a battu Fusélips 124 à 90. Et c'est ainsi que se termine ce journal des sports. Vous pouvez le retrouver à partir de 12h40 et en podcast également. Faïd, cet après-midi, qui recevez-vous dans Place Publique? Alors, on recevra les représentants des 4 équipes du championnat de rugby à 15 avec le conseiller technique régional de rugby Steve Nardon. On reviendra sur ce championnat qui a connu une issue épique hier, mais aussi sur la suite de la saison avec en ligne de mire les Jeux des îles de l'océan Indien parce que cette année, le rugby y sera. Merci beaucoup Faïd et rendez-vous donc dans Place Publique. À suivre donc Matin Première avec Sandati en radio. Nous on se dit donc à demain. Merci messieurs. À demain. Merci à Raïm et à Doafir également pour la réalisation de cette matinale.